Alors bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour composer sa musique.fr. Alors cette nouvelle vidéo j'ai intitulée Comment composer grâce aux arpèges et elle fait suite à ma première vidéo que j'avais intitulée Comment composer au piano. Alors dans ma vidéo Comment composer au piano, donc je vous avais expliqué comment composer une mélodie de base à partir d'un piano mais aussi d'une guitare. Alors on avait vu qu'il fallait choisir une tonalité, ensuite choisir les accords de cette tonalité là. Et ça allait les faire suivre et ça allait sonner pour déjà donner une base de morceau. Ensuite, on avait vu également une deuxième technique qui consistait à utiliser l'état inversé de ces accords. Et on a vu une troisième technique qui consistait à agrémenter les accords de notes pour leur donner du relief et de la mélodie qui appartenait également à la gamme. Alors aujourd'hui, les arpèges, ça va être la suite de cette vidéo et de la vidéo précédente, pardon, et on va voir justement comment étoffer un peu plus nos compositions. Alors, je rassure nos amis guitaristes, vous pourrez utiliser toutes les techniques que je vais vous présenter là, il n'y a aucun problème. Bon, là, je vais vous présenter avec un piano parce que je ne suis pas très fort en guitare et parce que c'est ce que j'ai devant moi. Mais vous pourrez très bien utiliser les techniques que je vais vous montrer là pour composer grâce à votre guitare, il n'y a aucun problème. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un arpège? Un arpège, alors c'est très simple. C'est au lieu de jouer un accord simultanément, on va le jouer note par note. Alors, par exemple, on a notre accord de Do majeur. Donc ça, c'est un accord. Et l'arpège, ça consistera tout simplement à jouer note par note. Voilà, ça, c'est un arpège. Alors, il y a différents types d'arpèges. Alors, il y a l'arpège que j'appelle note par note. C'est-à-dire que vous jouez, eh bien, comme son nom l'indique, les notes note par note, tout simplement. Vous avez l'aller-retour, au lieu de rejouer le Do comme on a fait tout à l'heure, on va rejouer le Mi pour faire un retour. Voilà. Et également ce que j'appelle l'effet balançoire. Donc c'est-à-dire que je vais jouer les notes de cette façon donc en balançoire, c'est-à-dire en alternant entre le pouce et le petit doigt, et ensuite je vais rajouter donc mon troisième doigt par la suite. Ce qui nous donne donc 5 pouces, 3 pouces. Donc voilà ce que c'est que la balançoire. Et vous avez également donc des arpèges de 4 notes. Et également 5 notes, mais déjà 4 notes. Vous pouvez donc, bien sûr jouer les arpèges de 4 notes de toutes les façons qu'on a vues, c'est-à-dire note par note, avec l'aller-retour, ou grâce à la balançoire. Alors, ces différentes façons de jouer les arpèges, donc c'est pas pour rien que je vous les présente, puisqu'il y a des exemples très simples de chansons extrêmement connues qui utilisent justement ces différentes façons de jouer. Alors, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, sur le note par note, c'est Coldplay qui a utilisé ça. Donc, ils ont trouvé des suites d'accords et ils les ont joués tout simplement note par note. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est la chanson Clocks. À la base trois accords, celui-ci, celui-ci et celui-là, et ils l'ont arpégé. Et donc voilà le résultat. Donc vous voyez que de façon très simple, l'arpège ça va être une autre façon de jouer l'accord et ça va donner un effet totalement différent. Alors pour l'aller-retour, il y a Ginzu qui a utilisé ça par l'intermédiaire de leur morceau Tracks Away, donc c'est le solo du morceau, donc la partie piano. Donc ils ont trouvé également exactement comme Coldplay, donc ils ont trouvé différents accords. Et ils ont joué de façon aller-retour. Ce qui nous donne. Donc vous voyez bien le principe, si on accélère, vous allez reconnaître le solo. Etc, etc. Donc vous voyez, à chaque fois, c'était différents accords, mais on les a arpégés de façon aller-retour. Alors pour l'aller-retour, il y a un morceau qui est extrêmement connu, et bien c'est Aerodynamic de Daft Punk. Tout le solo de guitare qui compose le morceau, il est basé sur 4 accords joués en aller-retour. Donc, voici les accords.
aller jouer en balançoire, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Pour les arpèges de 4 notes, donc vous avez le morceau Space Dementia de Muse, dont j'ai fait la cover et donc je vous invite à la regarder également. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? C'est très simple, il prend plusieurs accords et il les joue arpégés en note par note, mais il n'y en a 4 cette fois-ci. Qu'il arpège, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez qu'avec seulement la façon de changer l'accord, ça va sonner très différemment, et là les possibilités elles sont infinies au niveau de la composition. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà trouver une suite d'accords, ou alors trouver un petit morceau comme on avait fait, comme je vous avais expliqué avec les techniques de comment composer au piano, et ensuite vous utilisez différentes formes d'arpèges. Alors par exemple, pour l'étouffer, pour trouver une nouvelle façon de sonner. Alors par exemple, je vous avais joué, rappelez-vous, alors un petit morceau avec les techniques que je vous avais présentées. Ça c'était le morceau, et maintenant, voilà, j'ai managé mes accords, mais je trouve que c'est un peu terne et que ça sonne un peu creux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser une technique d'arpège. Par exemple, la balançoire. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ça va être complètement différent. Et là, ce sera beaucoup plus vivant. Et il y aura beaucoup plus de relief également. Qui va bien au milieu du morceau. À quoi ça peut servir également les arpèges? Eh bien, ça peut servir à étoffer votre main gauche. Donc vous trouvez une mélodie de la main droite et vous avez des accords donc de main gauche qui accompagnent cette main droite. Donc très simplement, on va dire que ça c'est notre mélodie et les accords qui accompagnent. Voilà. Donc si on met les deux ensemble. Simplement note par note. Et vous voyez encore une fois que le rendu est très très différent. Donc vous voyez qu'il y a énormément de morceaux qui sont construits sur le principe des arpèges. Donc pour citer les plus connus ou d'exemples qui me viennent en tête, vous avez pour les guitaristes par exemple le Nothing Else Matters de Metallica. Donc au début, c'est des arpèges au niveau de l'introduction. Hotel California aussi, des Eagles, c'est exactement la même chose. Et de même que le morceau très très connu d'Adèle, Someone Like You, qu'on entend tout le temps en boucle à la radio, vous voyez, c'est des arpèges en aller-retour. Je vais vous faire rapidement. Etc, etc. Donc voilà, donc vous voyez que seulement en changeant ma façon de jouer mes accords, en utilisant différentes manières, ça va me permettre donc de donner plus de relief à mes morceaux et ça va également me permettre d'étoffer ma main gauche. Ce que je peux vous inviter également à faire, c'est de combiner un petit peu donc, les conseils que je vous ai donnés au sein des deux vidéos pour vraiment arriver à faire un morceau donc, très étoffé et recherché. Donc en même temps, vous trouvez des accords, vous trouvez des notes entre ces accords, et vous avez une basse simple, et bien cette basse, vous l'arpégez, vous gardez les accords de la main droite et les notes entre ces accords-là, et vous avez tout simplement un morceau. Après, c'est à vous de pratiquer, c'est à vous de jongler et d'essayer, et aussi d'analyser les morceaux qui vous plaisent, qui sont basés sur ces principes-là, pour voir un petit peu comment ils font, et pour que vous aussi, vous puissiez le reproduire dans vos compositions. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a été utile. C'est un conseil très simple, mais je n'ai jamais vu de vidéo sur le sujet sur Internet. C'est pour ça que je me suis permis de le faire et de vous le montrer.
Si vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos donc, de Composer sa musique sur justement le YouTube officiel de Composer sa musique, mais également sur le site internet www.composersamusique.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Ok. On fait tellement les gros pirates, quoi. Cette vidéo, quand elle va sortir, on voit que c'est la première. Ouais, c'est clair, on a bien trimé. Grave. Mais après, ça va aller vite. Ouais. Ça va. Là. Il y a également ce que j'appelle. J'ai envie de rigoler. Attends, j'ai envie de ma chemise gitan, je suis content. Ah, la vieille chemise, quoi. Ah, c'est vrai. Putain, mais je sais pas ce qui m'a pris. En plus, je l'avais plus, cette chemise. Bon, allez, c'est parti. L'effet chemise gitan. Ça filme. Alors.